L'objectif quand tu crées ta vue sur mesure, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait Arnold Schwarzenegger. C'est exactement ce que tous les gens qui ont la vie qu'ils veulent ont fait. Voilà. Et à un moment donné, tu es obligé de décider, ok, je veux devenir ça. Ok, comment on fait? Maintenant, on est parti, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de connaître la chanson. Hein. Sinon les gars, on n'avance pas. La chaîne n'avance pas les gars. Si vous voulez pas participer, je ne sais pas comment on fait, ok? Si c'est déjà toi, si l'idée de cette chaîne, c'est pas te permettre d'être libre géographiquement, pouvoir déterminer, pouvoir être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, je suis au Brésil par exemple. Rio de Janeiro. Oh, la plage elle est magnifique, je te cache pas. Très truc. Par contre, la sécurité, attention quand même, les gars. Faut faire attention, hein. Tu peux pas te balader comme ça. Hein, je sais pas. Moi, je serais pas en confiance, en tout cas. Hein, malgré que je suis à Ipanema. Ipanema, quand même, qui est entre guillemets le quartier des richoux. Hein. Donc, ça se passe très bien pour l'instant. Bref, tout ça pour te dire que j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à pouvoir créer mon business en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux. Tu dis, mais pourquoi il me raconte ça? Tout ça pour te dire que arrête de trouver des excuses. Ok, et je pourrais continuer à te dire tous les trucs qui se sont passés dans ma life quand j'étais jeune, nanani. On a tous souffert, les gars, on a tous souffert. Ok, si tu veux y arriver, c'est juste dans la tête, tu passes à l'action et arrête de trouver des excuses parce que chialer n'apportera jamais la solution. Hein, tu peux chialer? J'ai vraiment pas de chance, mais maman, c'est incroyable! Il se passe rien. J'ai déjà essayé. Hein. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, on m'avait volé mon vélo. Puis c'était beaucoup plus grand que moi. J'étais peut-être en CP ou un truc comme ça. Et genre, il y a des grands, ils ont dit, ouais, c'était à Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, à un moment donné, j'étais à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ils m'ont dit, oui, je crois que c'était des gitans en plus. Ah, c'était des gitans. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, tu veux pas nous montrer ton vélo pour voir comment ça se passe, comme ça. Après, ils ont couru, ils sont partis comme ça. Ils sont partis avec le vélo. Après, je suis rentré chez moi, j'ai fait, pourquoi moi? Pourquoi? Le vélo n'est jamais revenu. Ok? Donc après, c'est ma daronne qui allait chercher dans le camp des gitans. Elle a dit, eh, vous rendez le vélo de mon fils, tout ça. Une lionne, mon cousin, une lionne. Ok, donc, pourquoi je te raconte tout ça? On ne sait pas. Passons directement au sujet de la vidéo. Comment créer sa vision? J'ai envie de te dire même comment créer sa vie sur mesure. Parce que je peux te dire que quand j'ai su qu'on pouvait créer sa vie sur mesure, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, on peut vraiment. Ça veut dire que là, la vie que j'ai, si je veux, je peux la designer comme j'ai envie. Ah ben quand j'ai su ça, je peux te dire que ça a changé ma life. Ah mais là tu rigoles, mais il y a des gens qui savent pas. Il y en a qui pensent que genre c'est juste salarié et essaye de voilà, boire de l'alcool, fume. Un week-end, voilà, deux jours de repos, voilà, 5 jours de travail, 2 jours de repos, toute ta life comme ça. Non, quand j'ai vu vraiment, ah ouais, c'est possible, hein, j'ai vu des gars sur YouTube, là, comme t'es en train de regarder, ah ouais, les gars, ils voyagent, ah bon? Mais moi j'aime voyager, moi, j'aimerais bien voyager aussi, tu vois. Et j'ai envie de te dire que, genre, vraiment, tout est possible. Et tu le vois, et c'est pour ça que c'est bien de lire des livres, des biographies aussi, tu vois, même lire, regarder des films aussi biographiques, d'entrepreneurs et tout. Moi, j'ai lu le livre d'Arnold, par exemple, je crois que c'est Total Recall. Le gars, il est vraiment parti de rien. Tu vois, même si on sait, tu vois, on dit, ouais, il est parti de rien. Mais quand tu regardes, quand tu lis le livre, tu dis, mais le gars, il est vraiment parti de rien. Il était dans sa petite campagne ou en Autriche. Il a dit, je vais être une star de cinéma. Il a vu un plan. Il a dit, bon, j'ai vu un gars qui faisait de la musculation. Et grâce à ça, il a fait du cinéma. Il a dit, bah, je vais faire le même chemin. Et voilà. Et le gars, il est allé aux States. Et puis, il a fait tout le parcours que tu connais, acteur de ouf et tout, machin. Et c'est un truc de ouf, en fait. C'est juste un truc de ouf. Là, on fait comme si c'était normal, on croit que c'est normal parce qu'on le voit là, il est là. Non, mon gars, c'est chaud. Donc, l'objectif quand tu crées ta vue sur mesure, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait Arnold Schwarzenegger. C'est exactement ce que tous les gens qui ont la vie qu'ils veulent ont fait. Voilà. Et à un moment donné, tu es obligé de décider, ok, je veux devenir ça. Ok, comment on fait? Maintenant, on est parti, tu vois. Donc, du coup, je vais te dire exactement les étapes que j'ai fait. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce que j'ai dans la vie aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu, en fait. C'est les choix que j'ai fait précédemment. C'est ce que j'ai voulu. J'ai toujours voulu voyager. Voilà, tu vois. Je ne me suis pas dit, genre, le premier truc, c'est que je voulais voyager. Je veux être libre. Je veux juste être libre. Je veux voyager. Je sais pas, je kiffe voyager. J'aime voyager. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, 5 étapes pour pouvoir designer ta vie comme tu l'entends. Et donc, du coup, ça, c'est. Genre, designer ta vie, c'est toi, c'est propre à toi, par exemple.
tu vois. Il y a pas de standard, genre oui, il faut que je sois millionnaire, oui, il faut que je sois ceci. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être milliardaire, tu voilà, c'est ça. Si tu veux être acteur, tu sais, comme ça. Si tu veux être champion de foot, c'est comme ça. Si tu veux tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est 5 étapes qu'il faut faire. Et même Mbappé, c'est ce qu'il a suivi. De toute façon, tous les gens qui ont réussi, ils ont suivi ce que je vais te dire. Première chose, réfléchis à la vie que tu veux. Tu me diras, c'est basique, mais c'est la base, en fait. Réfléchis à qui tu veux être, où tu veux habiter, combien d'argent tu veux générer, quel est l'objectif. Il faut que déjà tu designes ta vie, tu penses, ok, comment elle est, comment tu te lèves le matin, où est-ce que tu habites, avec qui tu traînes, qu'est-ce que tu fais de tes journées. Ok, designer ça, tu vois. Donc ça, c'est la première base, déjà, c'est la base. Il faut que tu saches, ok, qu'est-ce que tu veux. Ça ne veut pas dire... Tu veux pas là forcément la même chose que quelqu'un d'autre. C'est pas parce que quelqu'un veut une Lamborghini que toi, peut-être t'as pas envie de Lamborghini. Peut-être que t'as envie d'autre chose. Tu vois, moi j'ai un ami qui est dans la musique. Lui, il s'en fiche d'avoir une Lamborghini. Lui, son rêve, ce serait d'avoir un studio et qu'il puisse faire de la musique tous les jours avec certains peut-être logiciels. J'en sais rien moi, tu vois. Qu'il puisse travailler toute la journée sur sa musique, etc. Tu vois, chaque personne a ses rêves en fait. Chaque personne a sa vie parce qu'on est tous uniques, ok. Donc déjà, déjà quand tu auras designé ta vie déjà dans ta tête, déjà. Et genre, moi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui te fait kiffer. Déjà. Et ça, c'est le plus difficile à faire, hein, en vérité. De savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Donc, c'est pour ça, des fois, quand je vois des commentaires des gens qui comparent les entrepreneurs entre eux, ah ouais, mais lui, il touche plus que toi. Ah ouais, mais lui, il touche plus que toi. Mais en fait, ça n'a aucun rapport. Il y a des entrepreneurs qui sont très bien, genre en mode, genre juste indépendants financièrement, ils profitent de la life, peut-être ils sont indépendants financièrement à 5-10K par mois peut-être, et ils sont très bien comme ça, ils sont super heureux et ils ont d'autres projets, en fait ils ont designé la vie comme ils ont envie, et il y en a d'autres qui veulent tout exploser, ils veulent aller jusqu'à la lune, tu vois, c'est chaque personne est différent et tu dois faire, et déjà il faut que tu saches toi qui tu es et qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois, sans avoir besoin de te comparer. Deuxième étape, bah, la question que tu dois te poser c'est ok, maintenant que j'ai designé ma vie, j'ai vu comment c'est, comment on fait? Où est-ce que je dois trouver la connaissance qui me permettra de devenir cette personne qui pourra avoir cette vie-là? Tu vois, c'est toujours les mêmes étapes en fait. La connaissance te permet d'accélérer les choses en fait. C'est pour ça que je comprends pas. J'ai toujours du mal à comprendre les gens qui ont du mal avec tout ce qui est formation en ligne, coaching, tout ça, machin. Tous les gens qui réussissent sont des coachs, sont des mentors. Je comprends pas. Si tu fais encore partie de ça, j'espère que cette vidéo va te réveiller. Tous les gens qui réussissent ont des coachs. Coach en relation, coach en nutrition, coach en nutritionniste. Mais c'est pareil, c'est coach. Coach en business, coach en investissement, coach qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout en fait, c'est il n'y a pas d'autre chemin en fait pour pouvoir aller plus vite, parce que pour pouvoir avoir des résultats, il faut savoir comment les avoir. Et pour pouvoir savoir comment les avoir, c'est l'expérience qui te permet de les avoir. Et il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc comme ils ont déjà fait, ils peuvent te dire comment faire. Donc du coup, tu vas beaucoup plus vite que toi si jamais tu fais. Oui, toi tu peux faire tester toi-même, essayer de faire ta propre expérience. Mais imaginons que tu veux devenir millionnaire, si jamais tu n'as pas de formateur, tu fais comment? Tu fais comment si tu n'as pas un gars qui te donne au moins le chemin pour pouvoir y aller? Imaginons, ou même si jamais tu dis tu veux être champion olympique, si jamais tu n'as pas un coach, un entraîneur, tu fais comment? Ça va te prendre, tu auras le temps de mourir, frère, avant de trouver comment faire, comment vraiment bien courir, qu'est-ce qui fonctionne vraiment à force de tester. Mais... Donc la clé, c'est toujours l'expérience, la connaissance, c'est du temps que tu achètes en fait. Et dis-toi qu'il y a de la connaissance pour tout. Je sais que tout le monde est d'accord pour savoir qu'il y a de la connaissance pour tous les piliers, mais dès qu'on arrive à l'argent, les gens sont perdus. Oh, ils savent plus. Ah ben non, c'est pas possible, j'ai pas besoin de coach pour l'argent. D'accord, c'est pour ça que t'es pauvre. Ok, donc deuxième chose, quelle connaissance tu as besoin pour pouvoir atteindre la vie que tu as designée? Quel pilier, si jamais c'est une question d'argent par exemple, quel pilier tu vas choisir? Ok, est-ce que c'est les commerces? Est-ce que c'est influenceur 2.0? Est-ce que c'est trading? Est-ce que c'est, je sais pas, il y a plein de trucs pour faire de l'argent aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuses maintenant pour faire de l'argent. Ok, et tout fonctionne. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir et comment tu vas faire pour devenir un expert dans un des piliers que je viens de te citer, par exemple, et pour pouvoir avoir des résultats. Troisièmement, une fois que ça c'est fait, établir des objectifs et des sous-objectifs. Super important, surtout des sous-objectifs. Une fois que tu as décidé, vas-y, je veux par exemple vivre à Miami, ok, quels sont les sous-objectifs qui vont me permettre de savoir, ok, étape par étape, parce qu'il faut découper en fait l'objectif, sinon ça va paraître trop gros. Si, je veux prendre par rapport à plutôt de l'argent. Imaginons que tu veux faire 10 000 euros par mois. Ben, faut faire un sous-objectif, tu vois. Tu vas pas faire de 0 à 10 000 euros. Donc, tu peux faire sous-objectif. Ok, ce mois-ci, j'essaie de faire 500 euros par mois. Le mois prochain, j'essaie de doubler les 500 à 1000.
Tu vois, c'est un exemple. Et tu donnes des sous-objectifs comme ça, et comme ça, tu dis, ok, bah, dans un an, si jamais je suis les sous-objectifs, dans un an, bah, boum, 500, par exemple, par mois, et bah, j'arriverai à, par exemple, aux 10 000 que je m'étais fixé. Si jamais je reprends l'exemple de Miami, bah, si c'est Miami, ok, je veux vivre à Miami. Ok, comment on fait maintenant? Ok, où est-ce que je peux prendre la formation? Boum, avocat. Ok, je prends l'avocat. L'avocat va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, bah, faut faire une demande comme ça. Ou tu n'es pas encore éligible parce qu'il faudrait que pour être éligible, il faut que tu aies tant d'argent, que tu puisses investir. Il y a tel visa qui serait plus adapté pour toi. Ou sinon, il faut que tu réunisses le dossier. Et tu as des sous-objectifs comme ça, tu vois. Et tu suis petit à petit. Ok? Mais moi, parce que sinon, il y a des gens, si c'est trop gros, tu dis, ah oui, je vais à Miami, mais tu es là, tu fais rien en fait. Ça va pas aller. Ah, je gagne 10 000 euros, mais ouais, mais tu vas jamais faire de 0 à 10 000 euros par mois, tu vois. Donc c'est mieux que tac, sous-objectif, c'est plus clair, tu vois, pour ton cerveau et pour toi. Pour ton cerveau et pour toi, ça revient au même, j'ai envie de te dire. Quatrième étape, c'est de faire les autosuggestions parce que ça va être relou. Ça va être relou, ça va être long, ça va être difficile, ça prend toujours plus de temps que tu penses. Donc du coup, autosuggestion, te rappeler que tu es cette personne tous les jours. Ok, si jamais par exemple tu veux être un expert, ton idée c'est de devenir un expert e-commerce pour pouvoir générer du cash pour avoir la vie que tu veux par exemple, tous les jours tu répètes que tu es un expert e-commerce par exemple. Si jamais c'est trading, tous les jours tu répètes que je suis un expert en trading, tu vois. Tu répètes tous les jours la personne que tu veux devenir et tu dis que tu fais comme si tu l'étais aujourd'hui, tous les jours. Et tu remercies, tu as de la gratitude par rapport à ça, le fait d'être cette personne-là. Ok, parce que du coup, ton cerveau, il va enregistrer et il va dire, ok, je suis aujourd'hui. Donc, c'est comme si tu vas, en fait, faire le futur devenir présent. Donc, ça paraît peut-être un peu chelou comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, j'aime bien prendre l'exemple de Mbappé. Mbappé, le jour où il a fait la première conférence de presse au PSG, il était comme à la maison parce qu'il a dit, je l'étais déjà tellement rêvé, j'ai déjà tellement pensé que c'était comme si c'était comme d'habitude, en fait. Ok, donc c'est exactement ce que tu vas faire. Quand tu vas faire ça, tu vas juste ramener le futur dans le présent. Ok, donc autosuggestion tous les jours. Et cinquième étape, persévérance plus échec égale réussite. Les gens ont peur d'échouer, les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'être la risée de leurs amis ou des je sais pas qui, ou ils ont peur d'échouer tout simplement, alors qu'il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir réussir. Même si tu prends une formation, même si tu te fais accompagner par un coach, tu vas échouer. En fait, ça fait partie du diplôme pour pouvoir réussir. Tu n'as pas le choix, ça sert à rien de chercher des trucs plus rapides, plus faciles. Tu es obligé de passer par ça, donc vas-y, fonce, dépêche-toi, parce que plus tu vas avoir des échecs, plus tu vas accélérer le processus de réussite. Donc les gens, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de s'afficher, ils ont peur de quoi? Mec, tu vas juste regretter. Plus tu prends du temps à te lancer, et quand tu vas te lancer, tu vas regretter de ne pas être lancé avant. Tout le monde dit ça. Ça, c'est tout le monde qui dit ça. Et si tu te lances jamais, bah alors là, c'est encore pire. Là, c'est genre à la fin des, quand tu vas presque dead, où tu pourras plus rien faire, tu vas être dégoûté. Tu vas dire, putain, j'ai ma vie, j'ai toujours voulu faire ça, mais finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai toujours voulu avoir une vie comme ça, mais je n'ai même pas essayé de l'avoir. Où j'ai essayé une fois puis j'ai arrêté. Non, mec, les échecs, c'est normal. T'as pas le choix en fait. Y a pas d'esquive. T'es obligé de manger des échecs, de te faire gifler. T'es obligé. Et c'est pour ça que les gens abandonnent. Ils essaient deux fois, ils se font gifler. Vas-y, c'est bon, ça marche pas. Vas-y. Faut continuer jusqu'à temps que tu pètes en fait. Et pourtant, dans d'autres domaines, ça paraît logique. Je veux dire que si jamais t'es un basketteur, plus tu vas rater des paniers, plus tu vas en mettre. Tu vois, c'est ce que Jordan il dit par exemple. Plus tu vas rater des coups francs, ça veut dire que tu vas t'entraîner à mettre des coups francs. Plus tu vas en rater, plus tu vas en mettre. Tu vois, c'est pas genre dès la première fois que tu te dis bon, vas-y, je vais tester un coup franc, boum, ça rentre direct. Genre Ronaldo. Ah non, tu vois. Plus tu vas tester de faire des vidéos, plus des vidéos vont pas fonctionner, plus après tu vas savoir comment faire des bonnes vidéos. Tu vois, plus tu vas être à l'aise. Tu vois, il y a pas de. L'échec, c'est juste le process en fait. Il faut juste l'accepter. Et l'embraser, sinon tu peux pas réussir sinon. C'est pas possible. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça, mec. Je sais pas pourquoi les gens ils ont peur de s'afficher. Bah ouais, mais tu vas pas mourir. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'as vu cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu dis non, je veux pas échouer, je ressors du premier coup. Bah, bonne chance. Ça n'existe pas. Hein. Y a personne qui a fait ça. Et même si tu vois des gens qui disent ouais, j'ai commencé sur un business, ah, j'ai pété d'un coup la première fois que j'ai lancé, ils avaient déjà de l'expérience avant. Ils avaient déjà fait un business avant. Ils avaient déjà de l'expérience, ils avaient déjà échoué avant, tout ce que tu veux. Ok ?
Donc, si jamais tu veux aller plus loin, tu as toujours la masterclass où je te montre exactement comment pouvoir être libre et pouvoir voyager où tu veux. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. We'll be right back.